Les gars, l'été, festival, frites, ketchup, ça m'a... Voilà, regardez, j'ai pris 5 kilos en plus. Aujourd'hui, avec Bouscapé, on a un nouveau concept. Ça va être sport. Un invité, un sport. Aujourd'hui, on va faire du rugby avec Weshden, mais elle n'est pas au courant. Ça veut dire, j'ai décidé aujourd'hui de vouloir la plaquer, pas par un mec, mais par moi. Mais j'ai besoin d'une aide. Aujourd'hui, un bon sponsor, Decathlon, qui va m'équiper, qui va m'expliquer comment je vais devoir m'équiper. On y va, l'équipe, ça commence. Ça compte ça? Ouais, j'ai droit. Pour le rugby, j'ai droit. On m'a dit protection, chabal. Bonjour monsieur. J'ai besoin de quelqu'un pour m'apprendre à m'équiper pour le rugby. Est-ce que c'est les bons équipements? Non, je pense pas. Pour le rugby ça? Mais oui. Alors ça va pas être top ça. Je vais vous montrer d'autres produits qui sont mieux, mais là on est sur la gamme ski. C'est pas top pour le rugby. Mais on est en hiver là bientôt. Ouais là. T'inquiète, je vais trouver des trucs un peu mieux quoi. Allez, dis-moi tout, présente-moi tout. C'est de la marque Offload. Offload, okay. C'est la marque rugby Decathlon. Et là, franchement, c'est une paire qui est super résistante. Pour tous les chocs, ça va vraiment être top. C'est assez légère, donc franchement, pour courir, faire des crochets et tout ça, pour mettre des plaquages, c'est exactement ce qu'il faut. C'est vrai, même si mon mec me trompe, je peux mettre ça? Ouais, ouais, franchement, il te trompera pas avec ça, quoi. T'es sûr? Ouais, t'inquiète. Casque hyper important. Comme je te dis, t'es une machine, mais bon, des chocs, t'en as dans tous les sens. Il faut préserver ta belle tête. Donc, je vais te montrer, on a des casques. Un charmeur comme ça, Decathlon. Essaye-le et tu m'en dis des nouvelles. Ah ouais, mais est-ce que là, comme ça, je peux sortir? Ouais. Ok. Donc ça protège dans les crampons. Merci beaucoup. À la prochaine. Avec plaisir. Bon, au lieu de ressembler à une coquille, maintenant je vais enlever mon casque. On va aller retrouver Weshden. On est même pas prête de ce qui va se passer. Je suis pressé. Tu joues au rugby? Non. Ah, mais t'es nul. Aujourd'hui, on fait du rugby avec les Pink Croquettes, elles sont ici. Elles vont nous montrer comment on pratique le rugby. Les filles, vous allez bien? Ça va? Oui, ça va. On aura besoin de vous parce qu'on connaît rien au rugby. Mais il faut que vous nous appreniez à jouer. Donc c'est parti? C'est parti. Allez. Tu t'es déjà fait plaquer dans la vie? Non. C'est vrai? C'est pour ça que j'ai peur de toi. Non, ça va aller, moi, ça va là. Je suis une machine! Des vagues de passes. Comme vous savez, au rugby, les passes c'est qu'en arrière. Tu avances en même temps, je te la mets et tu la mets à tout bas. Qui la met en face et on se place comme ça. Ah, je fais comme ça. Pas bien. Bien. Ouais. Bien. Ouh là là, Déborah, les choses. Hein. Ouh là là, je fais comme ça ce soir. Pardon, excuse-moi. Pourquoi il s'excuse? Pourquoi? C'est un champion. Non. Je reste humble. Putain, excuse-moi. Ça, c'est la direction. Mm-hmm. Et ça, c'est la force. Ok, essaye. Ça va aller. Elle m'a appris. Tu as combien de temps, genre, dans la journée? Généralement, on commence par la muscu. Tu fais une heure de muscu et après, tu es sur le terrain 1h30. Ah, ça va. Une heure de muscu et après... Terrain, ouais. Maintenant, c'est soit une heure muscu, soit terrain. Je peux pas faire les deux. Vous connaissez un peu de rugby, les touches ou pas du tout? Non. Généralement, quand la balle elle sort du terrain, on fait des touches. Tu as deux personnes, deux lifters, une devant, une derrière. Une personne au milieu, et tu la liftes pour récupérer la balle. On va vous montrer. Oh, là, on va faire ça. Non, mais c'est trop. Qui est au milieu? Déborah. Déborah, tu commences. Déborah, tu commences. Tu fais un appui, tu serres les jambes, tu serres les fesses, toute droite. Que si tu mets un coup derrière. Ah, c'est moi, je dis go? Ouais, saut! Ouais. Mais c'est bien, t'as réussi! T'as déjà fait Swiss Fontaine? Oui, 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 oui. Mais... Ouais, je t'avais quand tu respires plus, là, arrête, c'est pareil. Ça, hein. C'est toi qui es qui? Ouais, je l'ai cru de ouf, t'as raison! Ah, c'est super haut! Go! Ouais. En fait, t'as vu, dès que je monte en haut, elle joue une lumière. Non, c'est vrai, c'est haut. Vraiment, c'est vraiment haut. Ah, t'as vu, attends, il en manque un. Non, 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 non. J'ai le vertige. Bon, ok, vas-y, je rigole, c'est bon. 1, 2, 3. C'est haut de court. On va faire la mêlée. On va vous montrer, comme on est 3-3, deux piliers juste à côté, qui se lient. Non, j'en prends deux. Vas-y. Après, t'as quelqu'un qui récupère, tac. Okay. Mais du coup, vous battez pas vraiment, ça va? Si, non, bah, moi, si, là, coup, c'était pas ah ouais. Mais pour gagner. Et du coup, moi, je tiens juste vous. Ouais. Et là, moi, je rentre où? Là? On rentre là. Ouais. Ouais. La position, c'était bon. C'est ça, c'était ça. C'était ça.
Là, on passe au plaquage, au jeu de pied. Et ensuite au défi. Là, elle croit que pour un plaqué, du coup elle s'entraîne. L'entraînement. Elle va pas y arriver. Ah, non, pas possible. Là, faut pas que ta tête saute de côté, d'accord. Il va pas à gauche. Voilà, serre. Voilà, super. Yeah. Faut l'accompagner. Faut l'accompagner. Faut l'accompagner. Eh, s'il te plaît. Et t'es congolaise. S'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y. C'était quoi ça? Je t'ai demandé d'être puissante. C'est pour ça le Congo il se qualifie jamais. C'est pour ça. C'est quoi ça? Ah, je t'ai laissé tomber pour me faire plaisir. Sauter par le sac. Ça marche. Non, ça marche. Mais pourquoi? Ok, vas-y. Il faut que t'ailles la chercher vraiment là. Incroyable. Mais regardez-moi. C'est bon. Baisse-toi. T'as des flashbacks? Oh, j'ai des flashbacks. J'ai des flashbacks de Tarla Night. Et tu sentes bien. Allez. Ouais. Là, tu vas aller plus bas. Et là, faut que toi, tu finisses après. Ok, ok. Pas sur le bouclier. Arrêtez. Hein? Ouais. Carton. Quel carton? J'étais en bas, arrêtez. T'étais en bas? Hein? T'as vu ça? C'est toi. Vas-y. Dès que tes musiques elles passent dans mes oreilles, regarde c'est quoi. Ta-da! Mais avance. Dégage. Bon, là. Dernier entraînement des jeux au pied, et ensuite, c'est les défis. Un peu l'objectif, le jeu au pied, c'est parfois quand on est dans notre camp, pour renvoyer l'adversaire un peu chez lui, on joue au pied, ou alors ça peut être aussi une arme d'attaque. Ouais, faut qu'il tombe droit. Vas-y. Ouais. C'est tellement élégant qu'elle le fait. Mais quoi, elle fait tout bien, c'est une dinguerie là. Non, en fait, t'as vu les plaquages, les premiers plaquages. Il faut pas laisser tomber. Voilà. Ouais, c'est quoi ça? Ah, ça, sais faire. Eh, si je réussis, je vous jure, j'enlève mon haut. Non, doucement. Non, ouais, je pas. C'est elle, doucement. Et là, on a des pénalités. Là, c'est un volcan. Ouais, ou la transformation. Allez, là, c'est pas grave. Là, Weshden, jamais 203. La honte. Concentre-toi. 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 Oh, bravo. Bravo. Fais la danse du ska. La danse du ska. Bon les gars, c'est parti. L'entraînement est fini. C'est l'heure des défis. Premier défi, rapidité. Après, précision. Et ensuite, puissance. Weshden. Tu vas perdre. On va faire le défi vitesse. Alors, c'est la plus rapide qui va gagner. Vous allez partir de votre plot. La première qui touche, elle gagne. Viens, tu triches, regarde, viens, tu triches. Comment ça? J'ai pas triché. Elle, non. Ses plots, ils sont plus proches que les miens. Allez, on part à 3. 1, 2, 3. Mais c'est une tricheuse, la vie de ma mère! C'est Déborah qui a gagné! Non, elle a fait des sauts de mouton! Mais t'es lente là, tu te relèves lentement! C'était la rapidité! Bravo! Deuxième défi, précision, explique-nous c'est quoi? En 30 secondes, vous allez devoir toucher le poteau le plus de fois possible. Okay. Celle qui a touché le plus de fois possible a gagné le défi. Et là, cette fois-ci, j'espère que t'as pas payé. Hein. Regarde-moi bien, toi. Hein. T'es nul. T'es nul. Déstabilisation. T'es go. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 11, mais y'a plus de balles, wesh! 12, 13, 14,
Vas-y, cherche-le. Combien? 27. Oh, il est chaud. Et tu as gagné. En vrai. Dis la vérité. Enfin. Arrête de mentir, combat. C'est combat, j'ai gagné. Combat. C'est combat, mais j'ai gagné. Dernier défi. Il y a 1-1. Toi et moi, apparemment, c'est il y a un prix. Choc d'équipement. C'est vrai? Mais tu vas. C'est bon, je vais départager. Non, non, non. C'est la puissance. Troisième défi, la puissance. Tu arrives à tirer et aller au-dessus de la barre, tu gagnes. Moi aussi, je gagne si j'arrive. La personne qui arrive plus, tu vois, il y a le train. T'as vu là, il y a un banc. Il est pour ça. On verra. On allait pas. Oh, si tu l'as vu, tu gagnes. Ah, c'est loin, hein. Mets-toi au milieu. Hey, tu donnes des tips. Voilà, c'est une dinguerie. Hey, parce que moi, je suis nulle à ça. Non, frère, arrête. Bon, l'équipe, c'est fini. Merci Wesden d'avoir merci gagné. Merci d'être venu. Merci. De rien, de rien. Bon, l'équipe, c'est fini. Wesden a gagné 2-1. Merci d'être venu. Merci à toi. Tu peux me regarder hein, quand même. Hein. J'ai gagné. Non, mais en vrai, merci. En vrai, je pense que t'es forte, mais merci de m'avoir laissé gagner. Quand même. Je fais trop la meuf, c'est pas gris. Non, mais ça va. Ma chérie, merci d'être venue. Merci au Stade Français. Merci au Pink Rocket. Mes chéris, je vous aime. Merci tout le monde. Merci Décathlon. Merci Bouscapé. Merci. Dites-nous en commentaire qui vous voulez comme prochain invité et quoi comme sport, s'il vous plaît.